Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Eli Lescot, un ancien président de la République d'Haïti qui a été président de 1941 à 1946. Antoine Louis Léon Cardi Eli Lescot, de son nom complet, est né le 9 décembre 1983 à Saint-Louis-du-Nord, dans le département du Nord-Ouest. Il est un pharmacien et homme politique haïtien qui fut secrétaire d'État dans plusieurs gouvernements, puis président de la République du 15 mai 1941 au 11 janvier 1946, soit 4 ans, 7 mois et 27 jours. Après ses études secondaires à Cap-Haïtien, il part à Port-au-Prince pour étudier la médecine et devient pharmacien. Suite au décès de sa première femme en 1911, il se lance en politique et est élu député 2 ans plus tard. Après un séjour en France pendant l'occupation américaine, il revient en Haïti et occupe des postes administratifs sous le gouvernement de Louis Borloo et Stenio Vincent. En tant qu'ambassadeur en République dominicaine, il conclut une alliance avec le président Rafael Trujillo, puis devient ambassadeur aux États-Unis à Washington. Il a développé des liens étroits avec les États-Unis, ce qui l'a aidé à accéder à la présidence d'Haïti en 1941 avec le soutien tacite du département d'État. Malgré l'opposition de certains membres de la Chambre des députés qui voulaient un président progressiste parce qu'il a remporté l'élection avec l'aide financière de Trujillo. Dès son arrivée au pouvoir, il a consolidé son contrôle en se nommant chef de la garde militaire et en plaçant ses fils dans des postes clés du gouvernement, ce qui a suscité le mépris de la population. Il devient président d'Haïti en 1941 après Stenio Vincent. Sous la demande des États-Unis, il déclare la guerre à l'Axe peu après l'attaque de Pearl Harbor et accorde des passeports aux Juifs qui le demandent. Son gouvernement fait face à des problèmes financiers et économiques, mais ses demandes d'aide aux États-Unis sont vaines. Il gouverne d'une manière autoritaire en s'appuyant sur des chefs de police rurale. Des rébellions, une répression violente et des manifestations de protestation se multiplient. Son gouvernement étant perçu comme privilégiant l'élite mulâtre, il suscite un grand mécontentement parmi la population majoritairement noire. Face à la pression, Lescot démissionne et s'exile aux États-Unis, laissant place à une junte militaire et des promesses d'élection. Après avoir échoué à réprimer les manifestations, Lescot s'enfuit en exil avec son cabinet, laissant place à une junte militaire dirigée par Franck Lavaux qui prévoit des élections. Suite à son départ, les médias indépendants prospèrent et les groupes dissidents reprennent espoir pour l'avenir d'Haïti. Léon Dumas s'est estimé lui succède à la présidence. Dès les années 50, Lescot retourne en Haïti, mais reste retiré sur ses terres à La Boule dans le département de l'Ouest, évitant l'exil sous le régime duvalieriste. Il décède à l'âge de 90 ans le 20 octobre 1974. Pour cette année, je vise les 10 000 abonnés. Alors pour celles et ceux qui regardent mes vidéos sans y être abonnés, pensez à le faire. En attendant, vous pouvez toujours regarder mes autres vidéos, car la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner, de liker et de commenter.
Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.